Bim, salut, c'est Fred. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation de personnages avec électrocortex. On va voir ce qui change par rapport au supercortex. C'est parti. Sachant que c'est un personnage qu'il faut être au corps à corps, j'espère que ça ira. Par contre, ça bug un peu. Oui, je m'en doutais. Ouais, vous voyez mon perso. Ça, le truc qui m'énerve le plus, je vous l'avouerai, c'est mes problèmes d'ordinateur. Voilà, là tout va bien, vous voyez? C'est dingue ça. Je comprends pas. Un coup ça fonctionne, un coup ça fonctionne pas. J'aimerais quand même vous présenter quelque chose de correct. Je sais pas si je l'ai eu à travers. Je sais pas si on arrive à tirer à travers les trucs comme ça. Voilà, comme ça on voit ses attaques en même temps. J'arrive à me faire tuer par. Mais qui me fait mal? C'est une blague quoi. La super coup de pied, d'accord. Est-ce qu'il y a un personnage quelque part ici? Ça a pas l'air. Ah, il s'est. Je lui ai fait un peu mal. Et je me suis fait tuer. Souvent, quand il y a. Une plante quelque part, il y en a plusieurs. Là 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 là. C'est tellement chaud. Mais sinon, il m'a l'air sympa celui-là. Il est un peu plus facile à manœuvrer que les autres. Est-ce que je vais réussir à la voir d'où je suis? Ah non, je me suis pris de la déco, c'est une blague. Ah, et je me fais manger par le remordeur. Oh non. Je veux quand même tuer quelqu'un. Arrêtez. Je suis pas nul à ce point quand même. Il y a quelqu'un qui arrive à me tuer par derrière. C'est qui encore? Mais non, non, non! Non, non! Il y a quelqu'un qui me tire par derrière. Moi, gros malin, qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour, je regarde, normal quoi. Je vois rien. Du coup, je m'interroge. Ah, je vous jure. Par contre, on va éviter ça parce que je peux pas le. Ah, il y a plein de roses là-bas. C'est un kill ou pas? Même pas. Ah non, je me suis fait encore engluer. Non, 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 non! Pourquoi? Alors quand j'ai le mordeur, je fais vraiment des trucs pourris, mais. C'est vraiment le let's play pourri avec moi, je suis désolé, hein. J'essaie de vous proposer des choses intéressantes, mais les mecs qui sont en face de moi, ils lâchent pas l'affaire, quoi. Non! Mais qui me tire dessus? Le mec, je le vois pas! Il y a un souci là. Il y a un souci. Quand on a un ennemi qui est dans le coin, on voit sa tête. Regardez, comme là, on voit qu'il y a des roses là-bas. Là, il n'y a rien autour de moi, on est d'accord. C'est une blague, quoi. Ils sont tous là-bas, on est d'accord. Ah, j'ai fait du dégât, là. Non, mais ça aussi, c'est pareil.
Le truc que je m'étais plaint pendant la découverte des personnages de base, c'est ça. On lance une attaque, on est en pleine attaque et on se fait manger, par exemple là. Là, je suis en tourbillon. Je suis pas censé réussir à me faire manger. On est d'accord? C'est vraiment pas logique. Comme je suis en train de lui faire du dégât, je peux pas normalement me faire manger. C'est dingue. Je comprendrai jamais ce système-là. Qui me fait mal encore? C'est de l'autre côté, je parie. Et voilà. Bon, bah j'ai encore fait un match pourri. J'espère quand même que cette présentation de personnages de notre électrocortex vous aura plu. Voilà, on voit les personnes qui sont sur le podium. C'est quand même assez difficile de vous présenter des personnages en comme ça en match par élimination. J'ai fait qu'un kill, je m'en doute un peu. Je suis mort 7 fois et j'ai fait 3 assistances. Alors, pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une autre présentation de personnages. J'espère que ça vous aura plu. Salut!